Hi folks, welcome to my channel. I'm Arthur, and today we will do the third flight of the FMS Viper 70mm V2 with an HRB 4000, 6S of course, and all the way back, and like that I've got a CG of 90mm from the leaning edge. That's the most front part of the book CG, and it's a bit nose heavy, but that's quite okay. All my rates are in the description. I've changed all the rates since the maiden. So yeah, my final rates are in the descro, so check it out. Donc les gars, on va faire le troisième vol du Viper 70mm de chez FMS, spécial édition, 15e anniversaire, avec un train suspendu, qui est d'ailleurs hyper bien suspendu, hyper cool. On a une HRB 6S 4000 à l'intérieur, comme vous avez vu tout à l'heure, qui est tout à l'arrière, pour avoir un CG de 90mm. C'est le livre dit entre 90 et 95. Donc là, je suis à 90, j'ai pas le choix, sinon il faudrait que je mette du plomb à l'arrière, mais j'ai pas envie de l'alourdir, parce qu'il fait 2,00 kg, donc c'est hyper bien. Il est ultra bien motorisé, vous allez voir. On va essayer de faire un petit peu de voltige. Et donc les débattements, j'ai changé complètement de mes débattements par rapport au premier vol. Et j'ai remis beaucoup plus de débattement à la profondeur, parce que du coup, comme il est un peu centré avant, il a besoin de profondeur. Donc ça, c'est mes petits débattements à la profondeur, c'est ça. Ça, c'est 100% du cerveau, et moi, j'ai ça. On a du vent, évidemment. Hein, le vent s'est relevé, alors qu'il est, il est 19h30. Mais le vent s'est levé à nouveau. J'ai le gyro de chez Jetty, récepteur Jetty Assist de chez Opal Paramodel, évidemment. Voilà, j'ai un récepteur 7 voies parce que j'ai séparé la roulette de nez. On met un cran de volet pour le décollage. C'est parti, Robert ? C'est parti. Let's get it started, guys. One notch of flaps. Let's go. Allez, ça monte. Et on va faire une vrille. Snap roll. Excellent! On va faire un petit passage tranche pour voir ce que ça dit. Je vais descendre un peu. Olé! Sympa! Encore un. Dans l'autre sens. Allez, go. Easy boy. Cool. C'était seulement 70% de gaz, ça. Alors, on va faire un petit touch and go. Donc, avec mes petits débattements, plein volet. Avec le vent qu'il y a. Cool. C'est reparti. Et ça monte. Et je reviens dans l'axe, plein gaz. C'est reparti. Et à gauche. Et ça monte. Et ça repique. Très très bien. Donc sur le dos, j'ai besoin de mettre du nez. Hein. I have to put some nose to keep it straight. On va faire un test de CG. On va monter. Je vais me mettre dans le sens là. Allez, on grimpe maintenant sur le dos. Plein gaz, 45 degrés et il s'enfonce direct. So it means that it's nose heavy. That's the best CG test with a jet. To climb like that, upside down at 45 degrees, full throttle. And yeah, the jet was falling down, so it means that it's nose heavy. Three-point landing, once again, encore une fois. Et à droite.
je t'ai fait une petite blague. Oui, j'ai vu. Et j'ai dit à droite, je suis parti à droite. Allez, un petit passage lent, tiens. Plein volet. The sound is really beautiful. Le son pour une 70, c'est vraiment superbe. Allez, un passage rapide. T'es prêt? Droite, gauche. Et ça grimpe. Et on coupe tout. On bascule. Hammerhead. Et on sort le train. Atterrissage final. No bad tendencies at all. Excellent, excellent. On fait des petits zigzags pour le freiner. Et voilà. Il est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la radio? Il faut qu'on ajoute combien? Il faut qu'on ajoute 4. Donc 3,84. 3,84 pour 4 minutes 20 de vol. 3 minutes 30 de moteur. Excellent. Génial. So guys, as you can see, 3.84 volts for a flight of 4 minutes and 21 seconds with 3 seconds and a half of useful throttle time. Yeah, pretty, pretty nice. And the LiPo will rise up as usual. So yeah, that's very, very efficient because the power system, the new power system is just awesome. Very, very cool. And the sound is very beautiful too. So yeah, you know what to do, guys, as usual. if you want to buy one, just click on my affiliate link and you can use my code ArthurRC and you can get 10%. Everything is in the description, so don't forget to check the description to know everything you need to know, guys. Thank you so much for watching. Don't forget the thumbs up and subscribe, of course, if you are not. See you very soon, guys. Merci les gars d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis à vous abonner, évidemment. Très important pour nous sur YouTube. Et si vous voulez l'acheter, bah, y a tous les liens qui sont dans la description avec tous mes débattements, tout ce qu'il faut savoir sur cet avion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis très disponible. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao.